l'autre en même temps. Lire, hein. Les pavillons, oui. Les pavillons. Les pavillons, là, tout peu de gratte sur en haut, mais c'est quand même, là, elle est magnifique. Diamètre, 45 pour pavillon. Ouais, ouais, parfait. Ouais. Bonne dimension, elle est belle. 47. Alors le bois qu'on utilise, c'est de l'épicéa, qu'on choisit toujours au revers. C'est très important qu'il n'ait pas de nœuds. C'est du bois qui n'a pas de vent. On regarde les branches. Une autre chose qui est également importante, c'est de le couper en bonne lune. Pas la lune descendante, de façon à ce que le bois ne noircisse pas. Le choix du bois se fait spécialement en montagne, à partir de 1000 mètres. Parce qu'en montagne, le bois est de croissance très lente et la fibre est très serrée, c'est important. On le prend aussi dans le bas des vallons, les vallées alpestres. À partir du mois de novembre, on fait l'abattage et on regarde, avant de l'abattre, surtout l'écorce. L'écorce, quand elle est en écaille de poisson, ça ne trahit pas, c'est garanti que ça donne une plante à tavillon. C'est des bois qui ont plus de 100 ans, 150 ans qu'on abat.